J'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui, je me retrouve avec une invitée spéciale parce que vous la connaissez déjà. Donc spéciale, mais pas inconnue. Les amis, la dernière vidéo qu'on a fait ensemble dans ce même sujet, si tu rigoles, on va l'entendre. Et ouais, mon pote. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve avec ma copine, ma femme de ménage. Donc tout simplement, les amis, aujourd'hui, on va vous refaire une vidéo comme on a fait il y a 3 ans. J'avais regardé, ça fait 3 ans déjà qu'on a fait la vidéo où on déballait les pièces de la 50, donc de la Derby. Aujourd'hui, on se retrouve avec la nouvelle moto, la MT-07. Et du coup, on remet le couvert, on va déballer des nouvelles pièces qui m'ont été envoyées par BCD Design. C'est un préparateur esthétique, si on peut les appeler comme ça. Donc là, on va préparer la moto avec des pièces de chez BCD. Je tenais d'abord à les remercier. Oui. Moi, je veux juste dire que j'ai appris de mes erreurs il y a 3 ans et que franchement, c'est pas compliqué de reconnaître des pièces de moto, je suis sûre et certaine. Que si, c'est pas dur du tout. Oui, on va regarder parce que les amis, le jeu quand même, c'est qu'elles devinent les pièces de moto. Quand je vais les montrer, on va les déballer. C'est l'instant ASMR. Profitez-en les amis pour vous abonner à la chaîne YouTube, on est bientôt 200 000. À liker cette vidéo, on se dit qu'à 3000 pouces bleus les amis, elle installe les pièces sur la moto. On refait la deuxième partie où elle installe les pièces, je lui mets une GoPro mécanique, on y va, elle doit monter toutes les pièces sur la moto. C'est parti, on perd pas plus de temps. Je vais ramener tout simplement le colis, l'énorme colis. Ouais, parce qu'il est pas mal, il est costaud. Je vais tout simplement choisir de lui montrer quelques pièces. Elle va devoir deviner où ça se met un petit peu sur la moto. Et puis on va voir ce que ça donne les amis. N'hésitez pas à me dire si votre copine fait de la moto les amis. Ça pourrait être sympa d'essayer de faire de la moto sur la 07. On y va, le colis il est là. Et c'est parti. Les amis, avant de commencer ce déballage, on va tout simplement déballer ce petit colis que j'ai reçu les amis de la part de Olight. Vous allez voir ce que c'est une dinguerie, vous allez kiffer. Surtout pour ceux qui aiment bien tout ce qui est LED, éclairage et surtout pour les motos, ça peut être utile. Je vais vous le déballer, j'ai mis une double cam, je sais pas ce que ça va donner. Vous avez un plan là sur mes 1, hein, on va rien dire. J'ai tout simplement reçu les amis de la part de Olight une lampe surpuissante. Je vous montre ça directement, c'est un truc de fou. Alors regardez, elle se présente comme ça. Donc là sur ma deuxième caméra les amis, c'est un tuto YouTube que je suis en train de vous faire. Regardez comment ça s'ouvre, c'est une dinguerie. Donc c'est en mode aimanté, franchement ça ASMR les amis. Si je vous parle de ça et que j'ai accepté ce partenariat les amis, c'est que vous allez voir, c'est vraiment un produit de fou malade. J'ai pas été payé les amis pour vous en parler, donc franchement c'est le produit qui m'a été envoyé gratuitement. Donc avec la lampe tu auras tout simplement le petit étui pour mettre à la ceinture, donc ça c'est cool, impeccable. Donc regarde un petit peu comment ça se présente, t'as un petit étui qui est avec. Et du coup dans la boîte tu vas retrouver la lampe, tu auras quelques informations, une notice parce que c'est un produit, il faut faire très attention, c'est une lampe de ouf. Donc voilà, et tu auras aussi le chargeur. Donc pour la boîte c'est fini, je vous montre rapidement comment fonctionne le chargeur parce que c'est un truc de fou. C'est tout simplement aimanté, regardez, je sais pas si vous allez le voir là à la caméra les amis, c'est un chargeur qui est aimanté, regarde ça s'aimante. Et vous allez voir que sur la lampe le système il est dingue. Franchement, c'est une... Wow. C'est une dinguerie, c'est clair, vraiment de ouf. Regardez la qualité du produit. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Donc les amis, on a la lampe, la Warrior 3S de chez Olight. Et là, on va comparer avec les pleins phares de la voiture. Et regardez la différence, c'est un truc de fou. Coupons les phares de la voiture. Et ensuite, dès que tu l'allumes, il y aura un mode stroboscope. Ça va en foutre de partout. Je pense que c'est mieux directement pour en parler, de vous montrer en extérieur. Je vous mets quelques tests. C'est un truc de fou. Vous allez kiffer. Il y a une portée qui est incroyable. Donc, c'est une lampe qui fait en puissance 2300 lumens et qui fait 300 mètres de distance. Donc, franchement, la distance, c'est un truc de fou. Vous allez voir que quand ça éclaire super loin, si tu es en bécane ou quoi, ça peut être grave utile d'avoir ce genre de produit dans la poche ou quoi. Si ta moto... T'as plus d'éclairage, surtout pour les 50. T'as ta petite lampe qui peut te sauver parce que regarde l'outil qui va avec. Donc avec, tu peux avoir un switch déporté. Donc si jamais t'es en bécane, t'arrives à glisser ça sur ton guidon, tu la mets avec une petite accroche et regarde ce que ça peut faire. Ça va l'allumer à distance. En fait, t'as un petit bouton. Je sais pas si vous allez voir, t'as un petit bouton qui fait que tu peux allumer la lampe à distance sans la toucher. Donc ça, franchement, c'est une dinguerie, je trouve. C'est grave utile. Moi, par exemple, les amis, j'ai commencé l'airsoft, donc je vais pas pouvoir montrer ma réplique sur YouTube. Mais sur l'airsoft, du coup, je la mets sur ma réplique, je mets le switch déporté et quand je suis en train de jouer, bah ça me permet d'allumer la lampe à distance. Donc franchement, ça c'est une pure tuerie. On va directement regarder ce que ça donne dans la nuit. Et au niveau des promotions les amis, n'hésitez pas, le site est en vente flash, du coup je vous le mets en description avec tous les liens. Vous avez moins 10% avec le code LEONAT10. N'hésitez pas à en profiter parce que vous allez voir que c'est incroyable. T'as un petit mode stroboscope pour faire la fête, tu vois ce que je veux dire. Là, en cas d'agression, ça peut être franchement utile d'avoir ce genre de produit. Je vous mets le code promo, toutes les informations de Olight et c'est reparti, on y va. Les amis, la Warrior 3S, regardez ce que ça fait. La puissance de fou.
Donc là les amis, je me suis tout simplement arrêté avec ma petite voiture au bord de la route pour vous montrer, regardez. Regardez les amis. Donc c'est éclairé hein. Donc il y a les phares de la voiture et regardez, oh, c'est une dinguerie. Il fait noir de ouf, mais là il fait jour. Quand je fais ça, il fait jour les mecs, c'est une dinguerie. Franchement la puissance de cette lampe. La première pièce, ça c'est des petites pièces, à savoir ils sont aussi équipés de toute la gamme Quadlock. Donc sur leur site internet, vous pouvez vous équiper de toute la gamme Quadlock pour vos motos. Donc qu'est-ce que c'est ça, cette pièce-là? Un support téléphone. Et les amis, déjà premier point, en même temps Quadlock, les amis, elle connaît déjà, c'est facile. Mais essaye de bien l'ouvrir parce que la pochette est vachement stylée. Mais gros, c'est impossible à ouvrir. Attends, je vais essayer de l'ouvrir si tu veux. Ouais, la salle, ça sert à rien, donc il faut avoir un homme fort, les amis. Tout simplement, tiens, je te laisse prendre la pièce et leur montrer à la caméra en mode tuto beauté. Parce que vraiment, c'est un truc ah que oui, j'ai kiffé sur leur site internet. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'en mettre un. Ils ont joué le jeu, ils me l'ont mis. Donc ça, c'est super joli. Et regardez du coup, les amis, ce que c'est. Je vous le mets à l'écran. Je sais pas si vous allez voir. Oui. Donc les amis, tout simplement, c'est la petite pièce qui vient s'adapter pour mettre votre téléphone juste au-dessus du compteur en mode GS, en mode BMW et avoir un double tableau de bord. Donc ça, ça va être super stylé à monter. Moi, je suis grave content et il n'y a que eux qui le proposent. Donc ça, c'est une exclusivité. Ça, c'est pas mal. N'hésitez pas, tous les liens sont en description de chaque produit qu'on va présenter. Ça, je vais le reprendre pour pas le perdre. Donc pour l'instant, on est à... Un point. Un point. Elle a directement trouvé ce que c'était. Ah oui, donc ça, je vais pas te le faire deviner. C'est assez compliqué, mais c'est le capot de mètre cylindre siglé MT. La 50 ou la grosse? Bon, c'est une moto quoi. C'est une moto, ouais. Donc les mecs, elles valident pas la MT-07. Je vous montre vite si, fait. C'est bien. La protection pour le mètre cylindre, le capot de mètre cylindre. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est quoi aussi? C'est ton capot pour mettre au-dessus de ton... Mais tu veux que je te vide ça? Mais oui, c'est non, pas mais possible. J'avoue, ça c'était compliqué les amis, on va pas le compter. On va passer aux grosses pièces parce que oui, il y a pas que de la petite pièce. Je vais vous montrer à vous tout ce qu'il y a dans le colis. Hop, voilà, au moins on te voit pas. Donc les amis, regardez tout ce qu'il y a. Franchement, il y a pas mal de pièces et des grosses pièces. Donc ça, tiens, tu peux prendre celui-ci. Il n'y a rien noté de dessus. Bah ça, c'est des stickers. Voilà, c'est des stickers, les amis. Donc ça, je sais ah, je pas, pas si ouvrir. Je vais les mettre. Non, ouvre-les pas. Je sais pas si je vais les mettre. C'est des stickers, tout simplement, que tu vas mettre sur ton réservoir pour la customiser. Mais étant donné que je suis pas encore sûr de la couleur, bah je sais pas si je vais les mettre. Mais en tout cas, je les ai. Donc ça, c'est effet carbone, il me semble. Franchement, on voit que la qualité oh, est là. Incroyable, attends, fais voir. Et même dans la petite pochette, c'est ça qui est stylé. Donc ça, pour ça, on est sur 2 sur 2. En même temps, c'était assez facile. On va passer directement sur une grosse pièce pour augmenter un petit peu au niveau de la difficulté. Alors attention parce que même mais attends, moi, s'ils sont emballés, là, je peux pas je le voir. Vois pas ce que c'est. Donc on va le déballer parce que là franchement, c'est un peu compliqué à savoir. Moi je vais quand même regarder ce que c'est. Ok, c'est bon, c'est simple. Quand c'est déballé, normalement c'est simple. Hop, par contre, je suis choqué de l'emballage, c'est trop bien emballé. Ah bah là en tout cas, ça peut pas se casser. Hop, voilà, vas-y, prends la grosse pièce. Le reste, on s'en fout. On n'en a pas besoin. J'ai besoin que de ça là. Ouais, fais-nous un beau déballage. Ça en tout cas, BCD, on peut les remercier parce qu'ils ont fait un taf de ouf. C'est super bien Merci. Emballé. La livraison, elle est super rapide. Donc c'est ça que je kiffe avec leur site internet. Ah, attends. Ouais, moi je récupère un papier, les mecs. Ah, je sais, c'est ça. Ouais, ouais, les mecs. Ouais, c'est pas exactement ça. Attends, mais... bah c'est une pièce comme ça en fait. Non, non, non. C'est une pièce qui va tout simplement. Que je me rappelle bien, c'est une pièce qui va juste là comme ça. C'est ton garde-boue arrière de moto brillant qui vient juste en dessous de ton amortisseur, enfin juste derrière l'amortisseur. Donc il vient se mettre franchement en noir brillant, c'est super joli. Donc ça franchement je kiffe, je vais le remettre dans l'emballage. Bon en tout cas ça tu l'as pas deviné, mais bon c'est un ouais, petit si, peu si je l'ai deviné, je l'ai mis là-bas. Ouais t'as mis que c'était le capot de sel arrière quand même. Ça les mecs, un capot de sel qui ressemble à ça, ça doit pas être très confortable. Je vais essayer de bien les remettre. Pourquoi les griffer? Parce qu'en noir brillant, le problème, c'est que ça va être super fragile. C'est pour ça que c'est aussi bien emballé, Léo. Et c'est ça. Et j'espère que ça prendra pas les griffures de ouf. Vas-y, à toi de choisir une autre pièce que tu veux. Elle se ressemble tant. Prends une grande pièce. Vas-y, tu peux prendre ça. Ou prendre autre chose. Qu'est-ce qu'on a juste ici? Oh, j'adore leur emballage, putain. Ah ça les amis c'est stylé. Vous allez voir ce que c'est, moi j'ai eu la petite réponse juste ici. C'est vachement stylé parce que c'est vrai que c'est compliqué y a d'autres... comme ça emballé de savoir ce que c'est. Et moi j'ai le droit à toute la petite visserie. Mais en mettant mon emballage. Encore emballé mais c'est incroyable. Mais wesh, bon, c'est bien, il n'y a pas d'agrafe. Oh les amis ça c'est incroyable par contre. Regardez la finition les amis en noir brillant. Ça va être une dinguerie, franchement j'ai demandé quasiment que du noir brillant et franchement le résultat il est incroyable. Essaye de deviner, ça se met où sur la moto? Ah des petites mousses et tout, c'est trop bien. Franchement les amis, regardez ce que je suis en train de vous montrer à la caméra. Oh, c'est beau. Incroyable la finition.
Elle est super jolie. Bon, ça aussi, les amis, c'est compliqué, donc je vais devoir lui dire. Donc, c'est une pièce qui va venir juste... Ah, ouais. Donc, ça dépend, soit c'est l'autre côté. Alors, attends. Non, ça va venir se mettre comme ça. C'est l'écope de radiateur, noir brillant. Ça, on va pas te le compter parce que, ma foi, c'est compliqué quand tu sais pas. Tout est compliqué. C'est dur à voir. En tout cas, le noir brillant, j'aime bien. Je sais pas ce que t'en penses, mais... C'est une jolie couleur. Hein. Par contre, c'est vrai que là, sur le pack Ribulle, il ne lésine pas sur les moyens. Je vais pouvoir me faire un petit matelas. Donc ça, on va pouvoir le remettre gentiment dedans. Donc pour l'instant, les amis, on n'a même pas déballé 2-3 pièces qui restent quand même un carton complet de pièces. Donc pour vous dire vraiment qu'on a toutes les pièces qu'il faut pour la customiser, le rendu va vraiment être incroyable. Je vais choisir cette grosse pièce-là. Alors attends, qu'est-ce que c'est? Ok, je pense savoir. Je vérifie juste... C'est bon, ça c'est simple. Ah, je sais. Ah, bah vas-y, tiens, déballe-le. C'est rond. Tiens. Moi, pendant ce temps-là, je vais déballer celle-ci. Et celle-là, franchement, si elle trouve pas, les amis, regardez ce que c'est. Ça va être trop simple. Ah, ben aussi. Par contre, c'est bien, t'as toujours une petite notice. C'est rebulé derrière. Donc là, tu peux pas avoir de risque avec le transporteur, même s'il te balance le colis au-dessus. Ah ouais, oh la pièce franchement elle jette hein. Franchement elle est sympa les mecs. Mais c'est vrai que ça aussi c'est encore compliqué. Mais j'ai envie de te dire que tu peux deviner un petit peu plus facilement. Ah c'est le... J'ai pas envie de... Non c'est pas ça, c'est trop dur pour être... Ah attends, il y a un petit truc de gris. Là ça va être dur à voir. En plus c'est une pièce qui n'est pas d'origine sur la moto les amis. Donc à savoir que attends, quand vous rachetez ah ouais, ça, mais donc je pourrais pas le voir là. Vous avez pas besoin, non, tu ne pourras pas le voir. Okay. Mais quand vous achetez ça, tout simplement, et ben vous n'avez pas besoin de modifier une pièce. C'est tout simplement le lèche-roue arrière qui va venir se mettre juste ici comme ça dans la moto. Hop hop hop, bah, c'est de le positionner et ça va venir tout simplement dans le passage de roue. Mais franchement, la petite finition avec la grille, ça a l'air vachement de bonne qualité. Le passage de roue est incroyable. Ça, c'est pas en noir brillant, les amis, tout simplement, parce que ça se salit tellement vite que du noir brillant, ça va prendre les rayures. Ça va être dégueulasse. Donc ça, franchement, je te l'accorde. C'est pas facile de trouver, mais en tout cas, franchement, c'est stylé. Ça, c'est du plastique. Au moins, on va pas perdre au niveau du rapport co-puissance. Donc vas-y, essaye de deviner ce que je t'ai déjà déballé. Mais toutes les pièces se ressemblent, mais d'une forme différente, en fait. Mais wesh, oh c'est beau, c'est incroyable. Je suis en train de m'emballer les mecs dans toutes les pièces. Vas-y, montre-le à la caméra et essaye de deviner. Mais wesh, c'est transparent. Ouais, ça c'est fumé les amis, j'ai failli dire ce que c'était en disant ça. Ah c'est une... Essaye de deviner où ça en se met. En fait, chaque truc, on dirait là où tu poses ton cul. Ah c'est l'avant. Ouais, et ça se met où? Vas-y, essaye d'aller la mettre. Bah c'est ça là. Ouais, ça se remplace les amis. C'est tout simplement la bulle fumée. Donc elle est plus grosse que celle d'origine. Enfin, bah ouais. Regarde un petit peu la pièce. Mais ouais, c'est tout simplement du fumé noir. Et elle va pas venir juste au bas du compteur. Elle va remonter un petit peu. Donc je pense que bah, au niveau du vent, on va toujours en avoir autant. Mais on fera le test de voir au niveau de la gueule si ça rajoute un petit peu d'agressivité ou non. En tout cas, on dirait un masque Covid. Bah ouais, de fou. Un masque Covid fumé, frérot. Mais ça, franchement, je kiffe. Franchement, c'est joli, le noir comme ça. Ah, ça prend déjà les traces de doigts. Ça, on va vite le ranger. T'as mis ta vieille gueule sur le truc, t'as fait. C'est peut-être pour ça. En tout cas, là, ce qui est bien, c'est que si tu veux, frérot, revendre tes pièces, les garder, les stocker, faire de la route avec, là, franchement, t'es sûr de pas les casser. Ça commence à être le bordel à côté, là. Alors, attends, on va passer maintenant sur des petites pièces qui sont emballées. Alors là, franchement, les amis, regardez, si elles trouvent pas, je ne comprends pas, je vais vous les montrer à la caméra parce qu'ils sont incroyables. Regardez, les amis. Oh là là, la beauté. Oh, franchement, je kiffe. Donc en plus, les amis, ils sont équipés d'une technologie. Donc vas-y, dis-nous ce que c'est. Franchement, tu peux pas te tromper. Réfléchis bien parce que là, si elle se trompe, les amis, elle a tout perdu. Franchement, c'est le truc le plus bidon. J'ai perdu ton cœur. Ouais, ouais, je crois. Ouais. Ils vont remplacer les anciens qui n'ont pas la technologie défilement. Et ceux-là, ils ont des... Ouais, les mecs. Des clignots. Des clignotants. Bah ouais, c'est des clignotants à défilement, les amis. Donc, comme sur ta voiture, ça défile, comme sur les dernières Audi, tout ce que vous voulez. Des clignotants à défilement qui ne sont pas d'origine sur la MT, qu'on rappelle, qui est une moto mais à 8000 euros. De... Donc là, franchement, de bah si. T'en as deux à l'avant, deux à l'arrière. Ça va venir mais remplacer c'est pas... ceux-là. C'est absolument pas les mêmes. Bah non, c'est pas les mêmes, c'est fait exprès. Et donc et là, j'ai trop hâte de tester parce que clignotant à défilement, ça va être incroyable. En mode youtubeuse beauté les mecs. Ouais, j'adore. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ils sont c'est jolis incroyable. Comme ça en noir. Mais comment ça se... Ouais, tu... Après les amis, ça se branche en plug and play. Ça, je vous ferai une petite vidéo sur TikTok. N'hésitez pas à venir me suivre. On est bientôt 100 000 et ça va être une dinguerie. Comment ça sera rapide de le monter. Et vraiment, je me demande comment ça se monte. Ça a l'air un truc de ouf. Bah, il me semble que t'as juste à visser. Parce qu'il y a plein de fils. Il y a plein de fils, bah oui. Mais après, normalement, c'est juste à visser. Ça, je vais les remettre direct dans la boîte pour pas les abîmer. On arrive, les amis, quasiment à la fin du déballage. Oh non! Il va
va rester quelques pièces. Bon, on peut dire que pour l'instant, elle a été médiocre. Elle a deviné que la bulle fumée. Frérot, j'ai deviné les clignots, le stickers et la bulle fumée. Ouais, donc c'était pas les trucs les plus compliqués. Là, on va essayer de rajouter un petit peu de difficulté avec une grosse pièce quand même. Malgré que ça soit quand même facile à trouver. Je vais te la déballer et te la donner. Ah oui, ah oui. Oh là là. J'ai envie de ma mère, c'est des casques tes trucs. Ça, les amis, c'est le même casque que la... Romain, les amis, nouveau style. C'est le même truc que la... Ça, c'est pas un casque. Que poteau. La bulle fumée. Essaye de deviner où ça se met. Franchement, et la couleur, les amis, noir brillant, incroyable. Incroyable, je me vois dedans, carrément. Il faut regarder toutes les pièces de la moto. Franchement, c'est facile à trouver. Mais attends, tu peux juste me dire... Comment tu peux regarder? Ben, c'est à l'avant, mais comment tu peux regarder? Bah ouais, ok, bah mais c'est trop facile, tu me l'as dit. Trop facile. Franchement, pareil, en noir brillant, ça a l'air d'être une qualité de ouf. En plus, s'il y a leurs petits stickers à l'intérieur, franchement, c'est stylé de ouf. Ok, et il y a un film de protection sur toutes les pièces. Donc, si vous les recevez, que vous les faites tomber, ce qu'il faut éviter, vous pouvez quand même enlever le film de protection. Et au moins, elles seront toutes propres en dessous. Je pense qu'on va pas rouler avec le film de protection, c'est pas un PPF non plus. Là, franchement, sur ces pièces-là, c'est incroyable. Toi, tu préfères quoi? Le noir mat ou le noir brillant? Le noir mat, c'est ce qu'il va avoir sur la moto. Ah non, je préfère le brillant. Ah, le brillant, les amis, c'est incroyable. Surtout qu'on n'en voit pas souvent des pièces brillantes sur une moto parce que ça salit super vite. Mais c'est ça comme va ça, être en fait. Incroyable. Ouais, ça, c'est brillant. Ah, mais si t'as tout brillant sur ta moto, force. Et bah, ça va briller. Alors là, qu'est-ce qui nous reste? On va tout simplement prendre les deux pièces restantes. Alors, même moi, je ne sais pas ce que c'est. Oh, si. Ok, c'est bon, je sais ce que c'est. Et ça, je sais aussi ce que c'est. Alors ça, on va pas pouvoir lui faire deviner, les amis. Je vais vous le dire. C'est une protection qui vient sur le feu arrière de la moto pour donner un petit style. Donc, d'origine, il n'y en a pas. En fait, il va juste venir se mettre dessus, par-dessus. C'est une pièce en aluminium. Est-ce que ça sert à protéger en cas d'accident? Je pense pas, c'est purement esthétique. Les amis, regardez juste la qualité de l'emballage, c'est une dinguerie, franchement, comment c'est stylé. T'as ça sous forme de petite box, t'ouvres et t'as toutes tes pièces à l'intérieur. Oui, voilà, t'ouvres ta box et t'as toutes les pièces pour monter, du coup, la pièce sur la moto. Franchement, c'est stylé d'avoir ça dans une petite box, c'est impeccable. Ah ouais, ok, donc c'est pas transparent du tout, en fait. Et ça, c'est la protection de feu arrière, donc non, c'est pas transparent. Alors, est-ce que c'est du noir brillant? Ouais, ça a l'air d'être du noir brillant. C'est légal, enfin, parce qu'on voit plus ton feu. Ouais, c'est du noir brillant, les amis, donc lui, il va juste venir comme ça, se mettre, hop, le rentrer à l'intérieur, et voilà. Au moins, ça fera un petit style de derrière, et du coup, le rouge va ressortir par les trous, et ça fait pas du tout une protection, parce que c'est pas en métal. Donc, franchement, ça va juste être un petit peu stylé, on verra bien, on essaiera ça la prochaine fois. La dernière pièce, les amis, du colis BCD. Franchement, on a fait rapide, mais parce que là, le niveau de mécanique, j'ai envie de voir ça, mais là pourtant, le niveau de connaissance, on va dire qu'il est moyen. Ouais, ok, ouais. Vas-y, essaye de nous faire un petit déballage de la box. Mais là, je peux pas deviner, là. Là, c'est pas possible, là, Léo. Ça va être dur, mais c'est possible. Donc ça, les amis, c'est tout simplement l'éclairage de plaque. Donc franchement, c'est compliqué. Prends la deuxième pièce, ça sera plus simple. Je suis perdu, là. Franchement, les amis, même les pièces, regardez l'éclairage. Je vous montre, les amis, l'éclairage de plaque, c'est une dinguerie. Regardez, il est dans sa petite boîte. Franchement, t'as tous tes câbles derrière pour le brancher. Pareil, du plug and play, donc c'est super rapide. On verra ça lors du montage. Mais franchement, déjà, l'emballage, ils ont fait un effort de ouf. Et ça, c'est à souligner. Donc toi, qu'est-ce que t'as de ton côté? Ah là, la youtubeuse beauté, les amis, c'est de retour. En vrai, ça aussi. En vrai, les gars, c'est un avion ou... Mais non, mais sérieux, Léo. Bah, si je dis que ça, c'est un éclairage de plaque, ça va avec. Hein. Ça, c'est la... La plaque. Ah, le support de la plaque. Oh là là, les amis, là, il a une illumination. C'est le support. Support de plaque, les amis, qui m'a l'air d'être ajustable. Donc regardez les amis comment ça se présente, le support de plaque de chez BCD. Donc en fait vous avez tout simplement deux vis ici et vous allez pouvoir incliner la plaque. Donc à mon avis si tu te balades avec tes deux clés tu pourras faire ça avec ta plaque. Donc ça c'est stylé pour les photos et franchement en alu comme ça, ça a l'air de bien résister. Donc les amis on a tout simplement fini de déballer tous les colis de chez BCD. Donc là franchement si on se refait un petit topo de ce qu'on a reçu, regardez les amis toutes les pièces. Et là il y en a encore plein juste à côté, c'est un carnage, il y a vraiment pas mal de pièces. Donc moi j'ai vraiment hâte de voir le résultat sur la moto, de voir ce que ça va donner. Là en tout cas les amis, on se dit qu'à la prochaine vidéo, on les teste sur la moto, on les monte. Et elle va essayer de tout simplement les monter une par une avec un petit peu d'aide quand il y en a besoin. Ouais, que de l'aide quoi quand il y en a besoin. Qu'est-ce que t'en penses au niveau des pièces de la 50? Est-ce qu'il y avait plus de pièces? Est-ce que ça a l'air plus compliqué ces pièces-là que les pièces qu'il y avait sur la 50? Bah ouais, clairement. Bah après je pense que non, c'est pas plus compliqué parce que... C'est juste des pièces que t'as juste en fait.
Franchement, les amis, là, la parole à la lettre de ses connaissances, ça voulait rien dire. Mais plus sérieusement, on va arrêter le carnage juste ici. N'hésitez pas à aller voir le site de BCD, les amis. Pour l'instant, le code promo est en cours de fabrication. Donc, si j'ai des informations, je vous les mettrai à l'écran ou en description. Il y a le lien pour aller sur le site de BCD. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à venir sur Instagram parce que je vous mettrai quelques photos avec les pièces. Moi, j'ai hâte de voir la partie mécanique. Et franchement, dites-lui de s'améliorer pour faire des vidéos parce que là, c'était un carnage. En tout cas, les amis, on se retrouve à la semaine prochaine. Au revoir. Salut les mecs. Ciao. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man.